Monsieur Pierre, bonjour. Très heureux de vous rencontrer ici dans vos nouveaux locaux et félicitations chez Agosli, à côté de l'aéroport. Donc, Inseung, c'est un peu la tour de contrôle des PME. La communication que nous avons aujourd'hui, c'est dans le sens des PME. Alors, la question qu'on ne pose pas et qu'on va quand même poser, quelle est votre différence par rapport à un bureau au niveau de la concurrence de votre service? Oui, je pense que ce qui différencie très clairement Inseung des autres grands cabinets d'audit, c'est notre présence locale, justement. On pourrait se poser la question de savoir, mais pourquoi s'installer à Charleroi, à Gosselies, pour prendre plus facilement l'avion pour partir en vacances? Non. Nous avons en fait en Belgique 13 bureaux, dans un pays aussi petit que la Belgique, 13 bureaux locaux, justement pour être proche de nos clients. La taille de la Belgique permettrait aisément d'avoir un bureau, disons à Bruxelles bien entendu, peut-être un bureau à Gand ou à Anvers, un bureau à Liège et puis c'est fini. Nous en avons 13, nous avons Hasselt, nous avons donc Gosselies bien entendu, nous avons Tournai, nous avons Saint-Nicolas en Flandre, à Bruges par exemple, justement pour être proche de nos clients. Alors on est proche de nos clients qui sont en bonne partie des PME. Bien entendu, nous avons des grands clients internationaux, bien sûr, mais la majorité de nos clients sont des clients PME. Donc en fait, la position d'Inseung sur le marché, la fiscalité, ce n'est pas que la fiscalité. Il y a d'autres produits quand même parallèles. C'est parce que c'est un réflexe de penser Inseung dans la fiscalité, mais il y a d'autres produits. Quels sont-ils en fait? Oui, parce que vous auriez très bien pu avoir comme réflexe de dire Inseung, c'est l'audit par exemple. Non, oui, c'est aussi l'audit bien entendu. C'est aussi l'expertise comptable. On parle de fiscalité, c'est extrêmement large. On a bien entendu la fiscalité qui s'applique aux PME, donc aussi bien la fiscalité du gérant, de la personne indépendante, la fiscalité de sa société, mais nous avons également des services en matière de TVA, par exemple, en matière de douane. Nous conseillons également nos clients en matière de fusion et d'acquisition, hein, une société qui souhaite en racheter une autre ou qui se fait racheter, en matière de conseil en organisation, par exemple, en matière juridique également, nous avons des juristes. Donc je pense que nous couvrons véritablement l'ensemble des besoins qu'une société, alors je dirais quasiment peu importe sa taille, a besoin ou peut avoir besoin. Et nos collaborateurs sont habitués à traiter avec des PME, avec des plus petites entreprises, et donc ils peuvent être aussi le relais entre certains experts plus pointus dans des matières et, je dirais, le patron de l'entreprise. Donc on pourrait résumer ça par un service qui est adapté en fonction de la taille de l'entreprise. Oui, exactement. Donc je pense qu'on a les deux avantages, d'être à la fois de bien connaître ce marché des PME qui a quand même certaines particularités et en même temps de pouvoir faire appel à nos spécialistes dans des matières parfois plus complexes qui peuvent venir en renfort simplement à des moments tout à fait ponctuels pour des problèmes aussi qui peuvent être ponctuels. Alors ce qui vous a sûrement donné des cheveux blancs, ça a été les véhicules de société. Est-ce que le pire est passé? Quel est votre avis sur 2013-2014? Je pense qu'il y a eu énormément d'instabilité. Tout ça est devenu extrêmement complexe, beaucoup trop complexe, parce qu'on peut se demander finalement si tout ça n'a pas été, toutes ces décisions ont été prises dans la précipitation sans véritablement réfléchir. On fait deux pas en avant, on fait un pas en arrière. Donc on peut espérer, pour le bien du pays et pour le bien de nos entreprises et des entrepreneurs, que les choses se stabilisent aujourd'hui et que les choses s'éclaircissent également. Ne pensez-vous pas que dès le départ c'était un manque d'information générale, un manque de connaissances de dossiers? Par le gouvernement dès le départ, à partir de là, vous avez difficile de traiter un dossier qui est très complexe, comme vous l'avez expliqué, et très difficilement à relayer, évidemment, au niveau des PME. Donc, ne pensez-vous pas qu'il y a une situation à mettre bien au clair? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est prévu dans l'avenir? Vous voulez dire d'éclaircissement de la part du gouvernement ou du... Voilà, non, non, de la part du service Inseung. Oui, maintenant, on a le dossier qui est complet au niveau de l'explication du PME qui se pose la question, bien, voilà, nous avons 10 véhicules de société, comment est-ce que ça se passe? Oui, tout à fait, nous organisons très régulièrement dans tout le pays, donc à la fois en Flandre et en Wallonie et à Bruxelles, des séminaires qui sont tout à fait gratuits, je dirais, auxquels nous invitons nos clients, mais pas uniquement nos clients, également les entreprises amies, je dirais, tous les entrepreneurs sont les bienvenus, où nous donnons un certain nombre d'explications, à la fois sur des matières TVA, fiscales et autres. Donc en fait, à travers votre site internet ou peut-être le bureau de son secteur, ils peuvent prendre une information pour pouvoir avoir les bonnes informations sur leur sujet. C'est oui, bien juste. Tout à fait. Je pense qu'il vaut beaucoup mieux contacter une personne, même si on ne connaît personne dans un bureau, prend le téléphone, on tombera sur la secrétaire très vraisemblablement qui vous mettra en contact avec quelqu'un, plutôt que d'aller voir sur un site internet. Vous savez, sur un site internet, il y a parfois plein d'informations, mais ça ne remplacera jamais un contact personnel avec un expert. Alors la dernière question, et comme on voit le nombre de services Inseung en Belgique, ça représente par combien de personnes? C'est à peu près 1500 personnes. 1500 personnes, 13 bureaux. Et Inseung est en place, je triche un petit peu, depuis combien d'années?
depuis très très longtemps. Très très longtemps, je dirais, on est présent facilement depuis plus de 30 ans, si pas plus. Oui, oui. Monsieur Pierre, un grand merci. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, c'est avec beaucoup de joie que je vous accueille ce soir au nom d'Ernst & Young dans nos nouveaux bureaux de Gosselies. Merci de nous faire le plaisir de votre présence. Ce cocktail me donne l'occasion de tordre le cou à une idée trop souvent répandue. En effet, j'entends encore trop souvent dire « Ernst & Young, c'est certainement très bien », ça je peux le confirmer, mais cela ne s'adresse pas à moi. Je ne suis pas le patron d'une multinationale, seulement celui d'une PME de la région. Ce que trop peu de personnes savent, c'est que la majorité de nos clients en Belgique sont des PME. Bien sûr, nous avons des clients en filiale de multinationales, et en nombre, bien sûr, nous avons des grandes, voire des très grandes entreprises comme clients. Mais nous avons surtout de très nombreux clients qui sont des PME, des ASBL, et bien entendu des institutions publiques. Si cela n'était pas le cas, pourquoi serions-nous installés à Gosselies, et à Liège, et à Tournai, et au total dans 13 implantations en Belgique, dans notre si petite Belgique? Monsieur le bourgmestre, chers clients, mesdames, messieurs, chers collègues, en ce début d'année, et nous ne sommes pas trop tard pour le dire, je me dois de vous présenter, au nom de Ernst & Young, mes meilleurs voeux pour l'année nouvelle. Philippe vient de nous expliquer l'importance qu'Ernst & Young accorde à la proximité avec sa clientèle. Le personnel attaché au bureau de Gosselies est principalement composé d'experts comptables. Comme vous l'avez certainement entendu dans les différents spots radio qui passent actuellement sur les différentes chaînes télévisées ou radio, l'expert comptable est le seul qui, d'un clin d'œil, pourra se faire une opinion sur la santé de votre société et vous aidera à anticiper les risques pour un meilleur développement. L'expert comptable est donc l'interlocuteur privilégié de la PME. Chez Ernst & Young, l'expert comptable dispose en plus des compétences comptables, de compétences d'organisation administrative, de contrôle interne, de fiscalité, tant pour les entreprises commerciales que pour les entreprises publiques.